Bonsoir tout le monde, bienvenue à Transmaster.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Ce soir, on continue le projet du motoski extrême. On va se faire un template pour faire l'installation de la suspension plus le sprocket. Tout simplement que j'aimerais pas ça passer des trous pour le fun, puis j'ai jamais fait ça. Fait que, on va essayer de trouver une façon là, de se guider ou de se faire un guide pour ramasser nos morceaux et remettre ça au bon endroit. Mais avant de commencer, on s'en va dans la chaîne, on clique sur cette petite cloche. Si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-les en bas, je vous réponds dès que possible. Puis on commence ça. Tiguidou! Bon, l'idée ici est de. En fond, d'avoir une mesure pour le trou ici. Le trou là, plus un peu plus loin ici, j'ai ça ici. Lui ici. Lui va pour le derrière de la suspension. Ça, c'est l'attachement du devant de la suspension. Puis ça, c'est notre sprocket qui passe ici. Là, on va essayer de se faire un template pour essayer de reproduire ça de l'autre côté. Fait que j'ai déjà commencé là, à me tailler de quoi juste pour tailler mon plus gros morceau. Là, on va essayer juste de. Le but est juste de se faire une petite ligne droite là. On va mesurer ça ici. Juste transposer ça l'autre bord là. Ici. Fait que je vais juste me tracer une ligne. Là, je l'ai parti avec l'autre. Ici. La petite ligne, juste pour se retracer sur l'autre. Ça fait là sans trop de problème. Pour moi, je veux juste avoir le petit rond ici à peu près. Bon, fait que dans le fond, moi, mon but est juste d'avoir cette ligne là ici. Ouais, on va essayer de la couper un peu mieux. Bon, le carton était juste pour avoir mon petit coin rond là. On va couper ça, ça sera pas. Bon, le principe est assez simple. Moi, ce que je veux faire, c'est dans le fond, c'est comme je disais tantôt, prendre les trous là, là, puis l'autre au bout. Fait que j'ai fait mes petites coches un peu pour me positionner le mieux possible. Pour que ça se travaille bien, que j'aille pas à jouer tout le temps avec. Je vais me tracer une ligne juste pour le tailler à grandeur. Fait comme ça, j'aurai mes trous. Puis, pas obligé de transporter mon morceau, de supporter mon morceau tout le temps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me tailler tout le long ici, jusqu'à ma braquette. Fait comme ça, j'aurai mon guide. Ça sera pas long. On va checker ça. Bon. OK. On a notre morceau. Pas taillé à la perfection, mais le but est de pouvoir être capable de me marquer pour avoir mes trous un peu partout. Puis, je vais même pouvoir m'en servir de l'autre côté. Fait que
On va marquer ça. Ok, ici, on est un, là. Je serais peut-être pas capable de me rentrer là-bas. On va prendre lui ici. Bon, on s'est fait un trou juste pour se guider. Je vais essayer. J'ai une botte ici. Et voilà. Je vais faire mon guide. S'assurer que à l'autre bout on est correct. Bon, on va venir voir. Bon, on va juste se rassurer qu'on est à la bonne place. On va venir voir. Théoriquement, on devrait être pour payer. On va voir celui avec le mec aussi. Yes! Fait qu'on va pouvoir mettre une bolt à côté. Ça va tenir notre morceau en place. On va pouvoir se dessiner de l'autre bord. Fait que ça se tient bien. Fait qu'on va pouvoir mettre la motoneige sur ses pieds, ou ce qui reste. On va pouvoir dessiner notre rond ici. Fait qu'on va avoir un côté déjà détempé pour faire notre premier bord. Fait que un coup qu'on est rendu sur nos pieds, il m'aimerait juste tracer mon morceau. Tout ça tient bien. Ça peut même être. Mettre nos carrés ici. Non, ça je pourrais pas. Lui non. Ah. Ben, je vais peut-être couper cette braquette-là pour me faire du renfort. Mais je suis pas convaincu encore. Mais l'important c'est d'avoir mon trou ici, centré. Avec les deux bolts de la suspension. Fait comme ça, je vais pouvoir me guider partir de même. Fait que c'est ça. Bon, pour l'instant, je suis satisfait de ce qu'on a fait ce soir.
On a réussi à faire notre template ou guide, appelez ça comme vous voulez. On a nos bolts pour la suspension. Puis on va, je vais tailler là, le trou, là, faut que je me trouve un emporte-pièce pour faire un beau trou rond. Puis par la suite, mais sur le motoski, on va pouvoir se placer là, comme il faut, faire des tests, se marquer au crayon avant de partir. Fait comme ça, bon, on va pas endommager le body pour rien. Puis on, comme ça, quand on va s'installer, ben, on va être correct la première fois. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, je n'ouvre pas. Laissez-le en bas, je vais vous répondre dès que possible. On s'abonne à la chaîne, on fait attention à nous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye!